Les algues vertes. Voilà presque 50 ans que ces algues empoisonnent et défigurent le littoral breton. Baie de Saint-Brieuc concentre presque 50% de la surface d'échouage bretonne. Ce phénomène est notamment la conséquence d'une agro-industrie aux effets destructeurs. 94% des nitrates alimentant la prolifération des algues vertes proviennent de l'agriculture industrielle. Il est temps de changer de régime. Se nourrir est un besoin fondamental. Or, les industriels de l'alimentaire sont aujourd'hui responsables de l'appauvrissement des sols, mais également responsables de l'appauvrissement de celles et ceux qui les exploitent, mettant en péril notre sécurité alimentaire dans les années à venir. Il est urgent de repenser notre système agroalimentaire.
Thank you.
Les algues vertes. Voilà presque 50 ans que ces algues empoisonnent et défigurent le littoral breton. La baie de Saint-Brieuc concentre presque 50% de la surface des choisses bretonnes. Ce phénomène est notamment la conséquence d'une agro-industrie aux effets destructeurs. 94% des nitrates alimentant la prolifération des algues vertes proviennent de l'agriculture industrielle. Il est temps de changer de régime. Se nourrir est un besoin fondamental. Or, les industriels de l'alimentaire sont aujourd'hui responsables de l'appauvrissement des sols, mais également responsables de l'appauvrissement de celles et ceux qui les exploitent, mettant en péril notre sécurité alimentaire dans les années à venir. Il est urgent de repenser notre système agroalimentaire.
Bon, ça va pas rester longtemps, ça. Profitons-en. Ils sont courageux, hein. Extinction Rébellion a rassemblé des militants de toute la Bretagne devant la maison de l'agriculture des Côtes d'Armor pour dénoncer les promoteurs d'une agriculture intensive aux conséquences dramatiques que nous ne connaissons que trop bien en baie de Saint-Brieuc. Aujourd'hui, c'est ici, devant ce temple étatique, que nous nous rassemblons pour lever le voile sur une union malsaine, pernicieuse et destructrice, celle qui lie l'État, les syndicats agricoles productivistes et les lobbies de l'agrobusiness, sans oublier leur enfant chéri, la thune et le profit. Par les pouvoirs qui nous sont conférés par notre mère, la Terre, en tant que citoyens du monde, nous levons le voile sur cette union funeste et nous scellons la fin de ces amours maudites qui nous empoisonnent depuis bientôt 50 ans. Célébrons ensemble la fin de ces noces de sang et changeons de régime. Dénoncée à de nombreuses reprises par des administrations de contrôle, Cour des comptes, inspection des finances, Commission européenne, pour ne citer qu'elle, et par des associations environnementales, les méfaits de ce mariage indécent ne sont plus à démontrer. À qui profite cette union empreinte de perfidie et de perversion? Combien de rapports d'évaluation fustigeant le manque d'efficacité des programmes de lutte contre la pollution agricole faudra-t-il encore pour que l'État divorce enfin d'avec le lobby agroalimentaire? Parlons un peu des finances de ce trouble infernal. Les dépenses publiques vont bon train quand il s'agit de nommer un énième expert ou de mettre en place un énième plan algue verte. Une addition salée pris en charge par les citoyens. Pour quel résultat? Il n'y a qu'à regarder nos plages pour avoir la réponse. Pourtant, on ne peut pas dire que les comptes soient dans le rouge lorsqu'on regarde du côté des bénéfices. Enfin, que penser de la cellule Déméter qui mettait à disposition de la FNSEA une brigade de la gendarmerie nationale? Cette cellule n'est heureusement plus qu'une coquille vide, notamment grâce à l'action d'associations telles qu'elle 214. Cette liaison dangereuse et immorale qu'entretient l'État avec la FNSEA et les lobbies nous condamne à vivre dans un environnement où l'élevage industriel est la norme, avec des conséquences désastreuses sur le plan écologique. Émissions de gaz à effet de serre, destruction de la biodiversité, pollution des sols, des eaux, etc. Sanitaire, antibiorésistance, développement des zoonoses, maladies respiratoires chroniques, suicide des agriculteurs, etc. etc.
et économique, chute du nombre d'emplois, accaparement foncier, endettement et perte d'autonomie des fermes, etc., etc., etc. Aucun gouvernement n'avait, avec une telle constance et un aveuglement si enthousiaste, suivi ou devancé les désiderata du productivisme agricole. Respirer et se nourrir sont des besoins fondamentaux. Or, les industriels de l'alimentaire sont aujourd'hui responsables de l'appauvrissement des sols et de celles et ceux qui les exploitent, mettant en péril notre sécurité alimentaire dans les années à venir. Il est urgent de repenser notre système agroalimentaire en nous appuyant sur quatre piliers: la préservation des terres agricoles, la modification de nos régimes alimentaires, la diminution des échanges commerciaux avec le reste du monde, l'évolution des pratiques d'exploitation agricole, le modèle perpétué par les tenants de ce business toxique doit changer radicalement si nous voulons assurer notre sécurité alimentaire à l'heure de l'urgence climatique. Nous exigeons la fin de la mondialisation des marchandises agricoles et le développement d'une agriculture vertueuse portée par des valeurs humanistes, agriculture paysanne, agroécologie, agriculture biologique. Nous exigeons une réelle stratégie de résilience alimentaire afin de garantir à toutes et tous l'accès à une nourriture saine, issue d'une agriculture qui rémunère dignement les agriculteurs, qui respectent le vivant. Nous exigeons une redirection des aides de la PAC et des investissements en faveur de pratiques agroécologiques. Nous exigeons plus de transparence à chaque maillon des instances agricoles et un contrôle renforcé vis-à-vis de l'influence des lobbies de la FNSEA sur les politiques agricoles. Nous exigeons un débat national pour remettre radicalement en question le modèle agricole et poser les bases d'une agriculture s'inscrivant dans les limites planétaires. Nous exigeons la création d'une assemblée citoyenne chargée de participer aux décisions et garante d'une transition juste et équitable. Nous exigeons un accompagnement incitatif et bienveillant des agriculteurs dans ce changement et une juste rémunération de leur travail. Localement et de toute urgence, nous demandons des mesures efficaces pour endiguer le phénomène des marées vertes, passant par un nécessaire changement de modèle agricole. Nous demandons l'arrêt immédiat des autorisations d'extension d'élevage intensif et une réduction drastique des cheptels bretons. De nombreux scientifiques, agriculteurs, citoyens agissent déjà pour montrer qu'un autre modèle est possible. En Bretagne, nous sommes nombreux, les pisseuses et pisseurs involontaires de glyphosate, Alto Marée Verte, la Confédération Paysanne, Collectif Bretagne contre les fermes-usines, Collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest, Faucheuses et faucheurs involontaires d'OGM, les soulèvements de la terre, Collectif contre Monsanto et bien d'autres. Agriculteurs et agricultrices, consommateurs et consommatrices, il est temps de provoquer un changement de régime et nous unissons contre un système mortifère qui ne profite qu'à une poignée de multinationales. Changeons de régime, entrons en rébellion. Décembre 2009, arrêt de la cour d'appel de Nantes, doit être regardé comme établi l'existence d'un lien direct et certain
de cause à effet entre carence fautive de l'État et le dommage qui constitue la pollution par les masques d'algues vertes. Le 4 juin 2021, jugement du tribunal administratif de Rennes. Le 6e programme d'action régionale nitrate n'impose aucune mesure nouvelle suffisante de limitation des apports azotés sur les bassins versants concernés par les algues vertes. Il est enjoint au préfet de la région Bretagne de compléter le 6e programme d'action régionale. Le 19 septembre 2014, manifestation d'agriculteurs protestant contre la chute des cours, incendie et destruction totale du centre des impôts de Morlaix. 4 ans plus tard, en 2018, le jugement tombe. Aucun auteur principal des faits identifié, mais un agriculteur condamné pour complicité de destruction, et 3 autres pour entrave à l'arrivée des secours, sanctions, de la prison avec sursis et des amendes. Extrait du livre de Magali Bourblanc, publié en 2019, « L'agriculture à l'épreuve de l'environnement, 30 ans de lutte pour la qualité de l'eau en Bretagne ». Une ex-employée de l'administration déclare « Faites un truc simple ». Et vous pouvez faire confiance à l'agriculture pour le complexifier, pour que personne ne voit rien du tout. J'ai travaillé sur la redevance des prélèvements et je peux vous dire qu'il n'y a pas plus bête qu'un mètre cube d'eau. Mais avec le ministère de l'Agriculture, vous avez un mètre cube d'eau qui est divisé en autant de portions qui font qu'à la fin, vous ne reconnaissez plus votre mètre cube d'eau. Le chef du service d'environnement déclare « Eux, les représentants professionnels et les techniciens de la Chambre d'agriculture sont en poste depuis longtemps. Ils connaissent toute l'histoire du dossier. Chez nous, dans l'administration, le personnel change souvent. Du coup, on sait moins bien comment on a été négocié les anciens textes, comme il faut les interpréter, etc. » On se fait avoir à cause de ça. Madame Bourblanc, la surenchère dans la complexification du dossier va favoriser la multiplication des opportunités de détournement des catégories réglementaires et de ses objectifs. Les contrôles. Entretien avec le responsable administratif de la protection des périmètres de captage. Il y a des fois où on dresse des PV, mais quand c'est une personnalité de la Chambre d'agriculture, c'est étouffé. Ça ne va pas plus loin. Alors, ça décourage les contrôleurs aussi. Un contrôleur. Depuis qu'il y a eu 2 suicides après le passage des gendarmes dans 2 exploitations, la Chambre et la FDSEA ont exigé de prévenir pour un contrôle au moins 24 heures à l'avance. En fait, la préfecture ordonne que l'on donne un préavis de 48 heures avant le passage dans une exploitation, alors que normalement tous les contrôles des services vétérinaires se font de manière inopinée dans les abattoirs, les industries agroalimentaires ou la restauration. Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on prévienne avant un contrôle parce qu'à ce moment-là, cela ne sert plus à rien de compter les animaux de visu, autant demander directement à l'éleveur combien il en a et reporter ce qu'il dit. De toute manière, on le voit bien, quand on approche des lieux, bizarrement, on croise des tas de camions de la coopérative. En fait, ce sont les cochons qui sont en balade sur les routes de campagne, le temps qu'on fasse notre contrôle, et puis après notre passage, les camions reviennent et ramènent les animaux à l'exploitation. Rapport de la Cour des comptes de juillet 2021, évaluant les plans algues vertes. Le nombre de contrôles dans les bassins versants algues vertes a connu de très fortes réductions depuis 2010.
moins 73%. Résultant pour partie d'une baisse des effectifs de contrôleurs, moins 24%. Les non-conformités constatées à la suite de ces contrôles mieux ciblés, on peut diminuer en 10 ans. Ces non-conformités concernent environ la moitié des exploitations contrôlées. La Cour des comptes. La vision dont disposent les services de l'État chargés du contrôle de la réalité des épandages agricoles reste partielle et imprécise. Les pollueurs et les payeurs. Dans le rapport sur le futur plan d'action régional nitrate, on lit « En 2020, pour 100 euros de redevances payées à l'agence de l'eau Loire-Bretagne, les abonnés ont payé 67,61 €. Les collectivités locales, 9,90 €. Les éleveurs, 75 centimes, soit le même niveau que les pêcheurs, 62 centimes, et moins que les chasseurs, 1,96 €. Notre conclusion. Halte aux marées vertes se bat pour que les autorités ne soient plus à la remorque des lobbies agri- et agro-industriels, pour que l'État donne un nouveau cap aux agriculteurs, leur permettant de sortir de l'impasse mortifère où ils sont enfermés et qui les conduit et nous conduit dans le mur. Qu'il s'agisse de leurs revenus, qu'il s'agisse du climat, de la biodiversité ou de la sécurité alimentaire. Nous disons non à l'importation de soja et de céréales, oui à la polyculture élevage, oui à la diminution du cheptel de 50% pour une agriculture paysanne liée au sol et liée au vivant. Merci. Bonjour, je représente PIC BZH, pisseurs et pisseuses involontaires de glyphosate. L'association n'est pas vieille, elle a été créée en février 2019 et fait partie du mouvement national, l'association Glyphosate France. Elle regroupe les 5 départements bretons, Morbihan, Côte d'Armor, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique et Finistère, j'ai oublié. Alors pourquoi l'association Glyphosate France a-t-elle été créée? Pour montrer que nous sommes toutes et tous empoisonnés par le glyphosate. Quoi qu'on fasse, on peut manger bio, c'est pareil, on est empoisonné. Et de quelle manière amener la preuve de notre empoisonnement? Quelle façon l'a trouvée? C'était d'organiser des pisseries. Ce qu'on appelle des pisseries, c'est des analyses d'urine. Il y en a eu 175 d'organisés en France, dans 84 départements, entre 2018 et 2020, et environ 6800 personnes ont été analysées. On va revenir en Bretagne, et on va rester en Bretagne. Nous avons organisé en Bretagne 26 pisseries, c'est-à-dire des analyses où on détecte des femmes, des hommes, des enfants, urine dans un tube à essai, afin de faire procéder à son analyse pour y rechercher le glyphosate. Cela est fait en respectant un protocole très strict, présence d'huissier évidemment, et ne pas avoir bu, ne pas avoir mangé, fumé ou uriné depuis au moins 6 heures. Il y avait aussi un questionnaire que les personnes participant à l'analyse devaient remplir, où ils devaient marquer leur âge, leur sexe, leur taille, leur poids, leur mode de vie, s'ils mangeaient bio ou pas bio, là où ils habitaient, leur consommation de tabac, leur activité physique, alimentaire, etc., etc. Il y en a eu un peu plus de 800 personnes en Bretagne. Et les pisseries ont eu lieu dans le Morbihan, Pontivy, Lorient, vous avez peut-être participé d'ailleurs, dans les Côtes d'Armor, à Dinan, à Dolo, dans le Finistère, à Moëlan, à Pont-l'Abbé, à Tréguingue, en Ille-et-Vilaine, à Rennes, Langouette, Fougères, en Loire-Atlantique, à Nantes, Saint-Nazaire, Châteaubriant. Et les résultats et l'interprétation des analyses nous sont parvenus il y a quelques semaines. Bon, je précise que toutes les personnes qui ont fait leur analyse ont eu les résultats avant. Et les résultats sont encore pires que ce que nous pensions.
cadre. Il y a 99,8% des gens qui sont empoisonnés par le glyphosate, même si on mange bio, même si on vit dans la campagne, dans un milieu sain. Même les enfants, oui. 99,8% des populations françaises présentent des niveaux quantifiables de glyphosate dans les urines, un niveau moyen de 1,19 nanogrammes par millilitre. Petit rappel, la norme OMS est de 0,38 nanogrammes millilitre. Et l'eau est considérée comme non potable à 0,01 nanogramme par millilitre. Vous voyez la différence. La preuve de la présence des pesticides dans le corps et de sa présence dans l'environnement, l'air, l'eau, les aliments sont tous saturés de pesticides. Et le glyphosate, c'est un marqueur. Alors vous vous dites, c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait après? Mais qu'est-ce qu'on fait après? On arrête de pisser, oui. Alors bien sûr, nous ne sommes pas contentés de pisser dans un tube à essai pour savoir si nous avions du glyphosate dans le corps. Le but, c'était de se regrouper pour mener des actions en justice avec des plaintes individuelles au sein d'une action collective. L'objet de la plainte, il y en a plusieurs. Mise en danger de la vie d'autrui, tromperie aggravée, atteinte à l'environnement avec destruction de la biodiversité, pollution des cours d'eau, des nappes phréatiques et des sols. Et tout ce travail scientifique qui a été fait, les analyses et leur interprétation, sera un élément de poids au cours du procès. Cette publication des analyses nous aidera grandement pour appuyer la plainte. Et je finirai en disant que les premières plaintes ont été déposées le 15 juin 2018 devant le procureur de tribunal de grande instance de Foix, qui s'est dessaisi au profit du pôle santé publique tribunal de grande instance de Paris. Et quelques jours plus tard, toutes les plaintes sont déposées et nous attendons l'instruction. Si le procureur décide de classer sans suite ce dossier hautement toxique pour certains, cherchez, nous avons la possibilité de poser recours auprès du doyen des juges d'instruction. Alors, il y a environ 5400 plaintes qui ont été déposées sur les 6800 pisseurs qui ont eu lieu, pisseries qui ont eu lieu, 6800 pisseurs qui ont déposé, qui ont fait leur analyse. Et vu le nombre de plaintes, cela va être très long. Alors je finirai en disant que Pig Mesodache, Nature et Pourrée et Génération Future sont les trois associations fondatrices de l'association Secret Toxique. Donc vous pouvez avoir des infos ou sur le site de Secret Toxique ou sur notre blog. Donc vous pouvez venir, si ça vous intéresse, venir me demander les coordonnées. Voilà. Voilà. Alors nous, on est membres du collectif Bretagne contre les fermes-usines, contre toutes les fermes-usines, contre les méga-poulaillers, contre les porcheries industrielles, contre les méthaniseurs ou contre les usines à saumon. Voilà, l'objectif, c'est en finir avec ce système. Alors, je voudrais vous parler d'une victoire. Ouais, ça fait plaisir, ça mange le... Alors cette affaire-là, elle a commencé il y a 3-4 ans à Langouélan, une petite commune du Morbihan. Un jour, une idée a germé dans une tête. Tiens, je vais construire un poulailler avec 120 000 emplacements. Par rotation? Ouais. Par rotation, ce qu'ils faisaient, alors 120 000, 6 fois, 7 fois par an. Voilà. Des gens un peu sensés se sont opposés, se sont interposés. Pas question, ce projet-là, on n'en veut pas. Et... le préfet, il se trouve qu'il n'était pas du côté de ces gens-là. Il a donné son autorisation au projet. Il a validé le projet. Mariage incestueux ! Mais comme ces gens étaient très déterminés, qu'il y avait avec eux des collectifs très déterminés aussi, ouais, ils ont déposé un recours en justice. Et le 8 décembre 2021, le juge a annulé la décision du préfet. Et la semaine dernière, on a appris que cette décision était sans appel. C'est-à-dire que le porteur du projet... Donc maintenant, d'autres collectifs dans d'autres luttes peuvent se saisir de cette jurisprudence pour obtenir d'autres victoires.
Bernard Allon-Bouélan. Je regardais hier sur la petite carte des luttes reporters, là où il y a des victoires aussi. Rothéneuf à Saint-Malo, par exemple, victoire contre la bétonisation de terres humides. Ou à Daoulas, près de Brest, victoire contre l'implantation d'une ZAC sur une zone agricole. Voilà. Tout ça, ce sont des luttes locales, des luttes décentralisées. Alors maintenant, je voudrais vous proposer une invitation. Le 26 avril, dans toute la France, il y a une journée d'action décentralisée, des actions contre ce système qui détruit les écosystèmes, ce système agro-industriel qui mange le vivant, qui le détruit, qui détruit nos santé, qui détruit nos habitats. Journée d'action décentralisée dans toute la France. Ici en Bretagne, nous avons décidé de cibler la filière industrielle porcine. C'est pas un hasard. Celle qui est responsable des marées vertes. Celle à qui le ministre Julien de Normandie fait un chèque de 270 millions d'euros il y a deux semaines. Sans contrepartie. État corrompu ! Corrompu ! Corrompu ! Vous avez dû en entendre parler, il y a un projet à trois quarts d'heure d'ici, à peu près à Langoite, une méga porcherie, 22 500 poules porcs par an. C'est 20 tonnes d'aliments par jour, c'est 37 mètres cubes d'eau par jour. Et puis bien sûr, de quoi alimenter les algues vertes, c'est pratiquement 20 000 mètres cubes de lisier par an. Ce projet ne passera pas. Ce jour-là, le 26 avril, on se lèvera contre ce projet et contre toute cette filière industrielle porcine bretonne. Alors n'oubliez pas la date et rendez-vous le 26 avril. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole ? Je veux bien dire un mot, si c'est possible. En tant que ? Oui, Rivière de Bretagne. Bonjour, je suis le porte-parole de l'Université de Bretagne. Alors, je m'invite un peu comme ça à la dernière minute, j'ai mis du temps à trouver. Simplement pour dire que c'est vraiment un grand soulagement de voir ce genre de mobilisation pour des associations anciennes comme les nôtres qui sont investies dans ces sujets sur la durée. Je reconnais pas mal de vieux militants de l'Université de Bretagne parmi vous. Et ce sujet qui fait notre quotidien aussi, hein, celui des marées vertes, celui de ce rapport de force qui est constant et constamment à réétablir et à tenter de rééquilibrer entre les lobbies économiques, les pouvoirs publics et les citoyens, ils ont besoin de ce genre de mobilisation. Donc je voulais déjà commencer par à tous vous remercier parce que c'est vraiment magique ce que vous faites ce matin. Façon d'agir pour la nature et celle-là en est une et Dieu sait si on a besoin aussi d'exister sur l'espace public. Après il se passe beaucoup de choses à l'intérieur, des choses que le grand public ne voit pas. C'est vrai que ce rapport de force entre l'État et les pouvoirs et les lobbies économiques, c'est quelque chose de très complexe et je crois même que l'État a besoin de ce genre de mobilisation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs dans les agents de l'État qui aimeraient que les choses changent et qui ont besoin pour ça que d'être soutenus, aussi pour que ça change, soutenus par un rapport de force établi. Donc je crois que c'est nécessaire de l'imposer aussi, et de ne pas les laisser subir uniquement le joug des pouvoirs économiques. Donc je pense que c'est vraiment important. On a parlé de beaucoup de batailles, et j'étais heureux d'entendre beaucoup de sujets sur lesquels Rivière de Bretagne est impliqué. Moi, je suis brestois, donc vous voyez, la ZAC de Daoulas, je connais très bien. Je pourrais en citer Langoélan aussi, enfin plein d'autres. Et je voulais dire qu'aujourd'hui, on a besoin que la réglementation vienne vraiment encadrer le développement de l'activité économique de l'élevage. On a besoin, et on arrive à l'obtenir de temps en temps par des victoires devant les tribunaux, mais au-delà des arrêts obtenus devant les tribunaux administratifs, on a besoin ensuite que l'État prenne le crayon, prenne la plume et écrive des réglementations qui ont vraiment du sens. En ce moment, il y a plusieurs textes qui sur lesquels il faut, j'alerte vraiment votre vigilance, et ils sont en train d'être écrits
Il y a vraiment besoin qu'il en sorte quelque chose, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir tous les 10 ans un rapport de la Cour des comptes qui nous dit qu'on a échoué. Parce qu'en fait, quand on échoue, on perd confiance en tout, et je crois que ce n'est pas vers ça qu'on veut aller. Et du coup, il y a ces ZSCE là, dont vous entendez parler de temps en temps dans la presse, les zones soumises à contraintes environnementales, qui sont le produit d'un arrêt du tribunal administratif du 4 juin obtenu par Aurélien de Bretagne, qui impose à l'État de réglementer dans les baies à algues vertes. Et l'État peine encore à réglementer, donc en ce moment, la rédaction de ces ZSCE, auxquelles les associations ne sont absolument pas invitées. Donc on va découvrir ça début mars. On va voir ce que l'État et les acteurs, les pouvoirs publics et les acteurs économiques sont capables de nous vendre. Et donc j'alerte vraiment votre vigilance là-dessus. J'espère que ces textes seront enfin une voie, une solution, une sortie de ce qui est juste intenable, ce surplace, cet immobilisme sur la question des marées vertes. Et puis il y a autre chose, c'est pour ça que j'étais très content d'en entendre parler, c'est que quand les lobbies n'obtiennent pas ce qu'ils veulent en Bretagne, eh ben, ils vont le chercher directement au ministère à Paris. Et il y a quelque chose, moi, qui m'écorche complètement, c'est la façon dont la nouvelle PAC va être mise en place, parce qu'elle a été directement négociée avec le ministère de l'Agriculture. Et c'est inacceptable, cette PAC pour la Bretagne, parce que moi, je considère que la PAC telle qu'elle est rédigée, eh ben, finalement, elle va mettre l'agriculteur entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire, le marteau, c'est l'exigence environnementale. C'est normal qu'on aspire tous à vivre dans un monde respectueux. Et puis l'enclume, c'est justement cette PAC qui ne leur permettra pas d'évoluer, de faire évoluer leur système de production. Donc moi, je trouve que cette PAC, elle met en danger, elle fragilise. C'est vraiment la plus mauvaise des réponses que l'État pouvait apporter au problème des marées vertes. Et voilà, j'enchaîne sur ce que vous êtes en train de faire pour dire que c'est nécessaire, ça peut permettre de faire évoluer les rapports de force. Donc bravo Extinction Rebellion. Pour terminer, voilà, on a nos activistes qui étaient grimpés là-haut pour mettre les banderoles là, qui sont forgées par les agents de police. Ils sont fait embarquer, ils sont au commissariat. Donc je vous enjoins tous à aller au commissariat pour midi pour leur porter un peu de soutien. Voilà. Merci. Le commissariat du centre. Oui. Voilà. Merci. C'est qu'on déchire ton patrimoine, on sait bien que le plaisir et que faire du droit de l'homme passe à la bande de l'abus. Quand la crise se règle ensemble, ce qu'on veut plus, comment le plus. La République, c'est la prostitue, sur le trottoir des citadelles, avec parole, on y croit plus. Nos dirigeants, c'est les menteurs, on lâche rien. Les copains vont bien, ils sont en train d'être entendus, ils ont été placés en garde à vue afin de les protéger et de mettre en place toute la procédure légale, s'ils avaient besoin de médecins, s'ils avaient besoin de quoi que ce soit. Ça ne va pas durer longtemps, ça c'est ce qu'ils nous ont dit. Et du coup, bonne nouvelle, on les a niqués, ils ne savaient pas. Ah, bravo! Donc bravo, et ils savent également qu'Extinction Rebellion est un mouvement non-violent. C'est bien pour ça qu'on a pu aller jusqu'au bout. Voilà, donc on peut poursuivre la lutte. Bravo!